retour pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler de tout ce qui est création de shots youtube donc ici euh, par exemple j'ai pris ma première chaîne euh, comme exemple et on va prendre le temps d'expliquer tous ces éléments du début jusqu'à la fin donc est-ce que créer des shots c'est vraiment une bonne idée ou bien est-ce que créer des shots c'est vraiment une mauvaise idée par exemple pour notre chaîne youtube donc suivez la vidéo jusqu'à la fin si tu aimes aussi la vidéo n'oublie pas d'être abonné juste 5 secondes et de aussi de partager aussi la vidéo donc, ici dans la vidéo, je vais prendre le temps de vous expliquer vraiment beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois lorsque vous voulez réaliser par exemple un truc quelconque sur vos pages, prenez le temps aussi d'analyser vraiment beaucoup d'éléments. Donc, est-ce que les choses c'est vraiment une bonne idée pour ta page euh, Je dirais d'un côté oui et aussi d'un côté euh, non. Parce que euh, euh, au niveau de tout ce qui est un peu négatif que j'ai constaté un peu, j'ai constaté que lorsqu'on réalise par exemple beaucoup de choses, je ne dis pas que c'est chez tous les youtubeurs. Lorsqu'on on, on réalise par exemple, euh, par exemple beaucoup de shots, j'ai constaté que ça apporte une baisse au niveau de tes vidéos longues. J'ai eu cette impression là au en fait. Donc si vous, avez, euh, si vous êtes aussi dans ce type de cas, vous pouvez aussi me laisser aussi euh, des commentaires aussi. Et ça va nous permettre de pouvoir être bien situé sur tout ça. Même si, euh, par exemple, je vais prendre le temps de vous montrer, vous allez voir. Vous voyez euh, On va prendre le temps de vous montrer vraiment beaucoup de choses. Ici, par exemple. Lorsque je ne réalisais pas, par exemple, euh, par exemple, suffisamment de shots, j'avais vraiment beaucoup de vues. Je faisais des vues, quand je dis beaucoup de vues, je ne dis pas un million de vues, mais les 500, les 600, euh, les 800, les 1000. Parce que vous savez que sur YouTube, pour avoir des vues, c'est quelque chose qui est vraiment très, très compliqué. Mais lorsque j'ai commencé, par exemple, à créer tout ce qui est, par exemple, shots, j'ai constaté une baisse automatiquement au niveau de mes vidéos longues. J'ai cette impression, c'était comme si, euh, par exemple, les shots avaient une influence mais les shots ont une influence sur mes vidéos longues que je réalisais euh, de manière générale sur la chaîne. Ici, par exemple, vous voyez que ici j'ai posté 21 et 62 vues. Ici, vous voyez, bon, ici, bon, ça passe 310, c'est bon. Ici, vous voyez qu'il il y, y, y a des vidéos qui peinent à avoir des vues et autres. Ici, voilà. Donc, j'ai constaté cela euh, depuis que j'ai commencé, par exemple, à réaliser des shots. Mais je ne sais pas si ça se passe aussi, euh, par exemple, chez, chez d'autres créateurs. Je ne sais pas. C'est dans ce contexte-là que je peux dire, euh, par exemple, faire trop de shots, peut-être, peut-être peut avoir une influence sur tes vidéos que tu as l'habitude de réaliser. C'est-à-dire tes vidéos longues, trop de shots, parce que je me suis mis vraiment sur les shots. J'ai commencé à miser, faire vraiment beaucoup de shots et autres. Et c'est en ce moment-là que j'ai constaté cela. Donc, euh, si toi aussi tu es créateur, de, tu réalises aussi des vidéos YouTube, prends le temps et que tu réalises des shots, prends le temps aussi d'analyser. C'est pourquoi il y a d'autres YouTubeurs. Qui ne réalisent pas des shots, peut-être parce que j'ai pris le temps de voir d'autres qui ne font pas. J'ai pris le temps aussi de voir aussi d'autres qui le font. Mais il y a d'autres aussi qui expliquent aussi parce que j'ai pris aussi le temps de regarder aussi d'autres vidéos YouTube. Il y a d'autres aussi qui expliquent que le fait de faire des shots, ça aide considérablement la chaîne. C'est vrai et on va basculer sur cette partie-là. Donc au niveau de tout ce qui est un peu néfaste, je pense que actuellement, je ne dis pas pour tous les youtubeurs toutes les personnes qui réalisent des vidéos YouTube et aussi des shots. Je ne dis pas que ça se passe aussi pour tout le monde, mais j'ai cette impression-là que les shots baissent catégoriquement mes vues. J'ai cette impression. Je pense que peut-être que YouTube aussi va prendre le temps de pouvoir aussi penser à ça, ou bien peut-être que quelqu'un a déjà aussi signalé cela. Je ne sais pas. Maintenant, le côté positif des shots, pourquoi vous devez aussi réaliser des shots Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, actuellement, euh, vous devez savoir que YouTube accorde peut-être hein, plus d'importance aux shots actuellement, peut-être parce que vous savez qu'il y a une concurrence entre YouTube et TikTok actuellement. Voilà, il y a une grosse concurrence entre YouTube et TikTok actuellement. Donc, qu'est-ce que YouTube veut faire YouTube veut pousser les shots de telle sorte que tous toutes les personnes qui créent, euh, par exemple, des contenus sur TikTok et autres, toutes ces personnes cest c'est-à-dire toutes ces jeunes, ça reviennent à YouTube. Et qu'est-ce qui va se passer euh, à partir de là J'ai constaté que lorsque j'ai commencé à maximiser au niveau des de shots, mes shots étaient Catégoriquement poussé, vous voyez si j'ai réalisé des shots euh, par exemple euh, 200, 500, 200. Au début, ça ne, ça ne partait pas trop parce que je ne réalisais pas suffisamment de shots. Je n'étais pas trop à fond, euh, par exemple, dans les shots. Donc, automatiquement, lorsque j'ai compris que il faut quand même tester les shots, il faut aller vraiment fort, j'ai constaté que parce que j'ai bien classé mes shots, automatiquement YouTube poussait les shots énormément vous voyez ici je passe euh, par exemple à 1000 euh, comment je vais vous expliquer celui-là ici vous voyez ici je passe à 1200 ici à pratiquement 3000 à 600 à pratiquement 5000 vous voyez ici c'est un shot c'est un shot que je viens de publier récemment vous voyez donc youtube pousse ses shots et qu'est ce qui va se passer lorsque youtube pousse ces shots ça va vous permettre de pouvoir avoir par exemple euh, des abonnés très rapidement si le contenu que par exemple vous réalisez c'est des contenus de qualité ça va vous permettre d'avoir des abonnés très rapidement, mais on a l'impression que l'audience que on a l'habitude d'avoir sur les shots, c'est pas c'est pas une audience qui est vraiment aussi qualifiée. On a cette impression là. Mais au niveau de des abonnés vraiment, ça va. Vous voyez ici, par exemple, je monte encore d'autres shots et autres. Vous voyez, bon, ici 900, ici 1000, ici 1000, ici 2000, ici 1700. Ce type de vues pour les faire, euh, pour réaliser ce type de vues, par exemple, sur des vidéos euh, longues, c'est très compliqué souvent. Mais vous allez voir qu'il y a des youtubeurs même qui ont des 20 000, 10 000, même 30 000, 50 000 abonnés. Mais pour faire 2 000 vues, ce n'est pas facile parce que YouTube n'apporte pas trop de visibilité au niveau de tout ce qui est contenu YouTube. Voilà, c'est pas comme TikTok. Lorsque tu regardes une vidéo, automatiquement ta vidéo est poussée. C'est encore différent. Mais je vais vous montrer un autre un autre truc que vous allez voir aussi. Par exemple, on va venir juste là. Vous allez voir la puissance des shots. Ici, c'est un shot que je viens de réaliser tout récemment. 5 300 vues. Et vous allez voir qu'est-ce qu qui est vraiment très intéressant, euh, par exemple, dans les shots. Vous allez voir ici au niveau de la partie analytique. On va prendre le temps de pouvoir patienter jusqu'à ce que ça charge. C'est pourquoi aussi c'est pas mal aussi de, de réaliser des vidéos shots. Parce que ça pousse vos vidéos. Regardez, quand j'ai posté, j'avais pas de vues. Automatiquement, me regardez, zéro vue. Quand j'ai posté, je me lève un beau matin, je passe jusqu'à 5300 euh, vues. Et en heure de visionnage, 15 et automatiquement 31 abonnés. Vous voyez la force des shots. Vous voyez la force des shots. Donc, c'est pourquoi vous, vous pouvez avoir des abonnés très rapidement avec les shots. Vous pouvez atteindre les 1000 abonnés très très rapidement avec les shots. Et la partie aussi qui est aussi très très positive au niveau des shots. Donc, vous devez savoir qu'à partir de février, janvier, février, on aura euh, des, des nouvelles. On aura une nouvelle forme de monétisation au niveau des shots. Et les revenus que vous allez aussi avoir aussi avoir, par exemple, ici, vont venir s'additionner aux revenus que vous avez déjà l'habitude de gagner sur vos vidéos longues. Donc aussi euh, en émotion on tirer une conclusion. Je vais prendre encore le temps de regarder encore l'évolution des, des autres vidéos par exemple sur un mois et en fonction de ça je vais encore tirer une conclusion et je vais réaliser une vidéo là-dessus pour vous euh, parler du retour entre shot et vidéo longue. Mais ne vous pouvez pas des de shots. Ça forcément je vous le dis ne vous pouvez pas des shots parce que c'est un gros moyen. D'avoir des abonnés, d'avoir des heures de visionnage aussi et aussi de pousser aussi ce que vous faites sur votre chaîne et aussi gagner de l'argent parce que la monétisation aussi arrive sur les shots. Donc si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification et surtout si je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao